Bienvenue avec nous sur Channel Lamp pour l'autre vidéo côté que nous allons partager ensemble avec vous actualité sportive. Abonnez, activez cloche notification pour pas jamais rater une vidéo. Nous parler avec Real Madrid, nous connaît qui remporté Super Coupe d'Europe dans le pays la Pologne à Varsovie contre équipe Atalanta. Mbappé pour grande première ligue marqué et remporté premier titre. Eh bien, fanatique, nous allons vivre ensemble déclaration de Kylian Mbappé. Faut que nous dit pour rappel, Mbappé a inscrit deuxième goal équipe Real Madrid là sur une passe décisive de Jude Bellingham. Nous est capable de retrouver sourire de Kylian Mbappé dans coup de sifflet final. Mbappé dit moi t'ai imaginé le de bien, mais commencer avec un titre et jouer pour club ça, tout le monde connaît qui ça signifie pour moi. Mbappé dit c'est incroyable, atmosphère t'es vraiment magique. Là où dit Real Madrid ouais trophée faut ou gagner lorsque ou ici, c'est très important, décisif ici pour un joueur tant que moi-même. Et ça m'a marqué en pile, moi très heureux, même si il y a toujours des bagailles, moi droit améliorer. Premier goal Mbappé, premier match, ça a prêté dans mes mémoire, d'autant que 4 stars offensives équipe là, t'es touché ballon. Faut me dire c'est Rodrigo qui va servir Vinicius Junior, Vinicius va retrouver Bellingham, passe décisif pour numéro 9 madrilène. Bellingham dit c'est juste Bellingham qui est débordé sur les côtés. Eh bien, dans un temps d'arrêt, donc, moi, j'ai toujours été en mouvement. Et je dis, moi, j'étais prêt. Je pensais, eh bien, que l'idée capable de jouer un peu en retrait, mais il décalé un peu. Donc, moi, fait appel contre appel. Et livrer le ballon dans le deuxième poteau. Et finalement, le ballon lui-même qui est entré dans le filet. Carlo Ancelotti, eh bien, et Mbappé, pour le parler de lui, Mbappé dit, Carlo Ancelotti, il t'a demandé nous en pile liberté pour nous débattre. Il t'a demandé nous pour nous connecter avec l'équipe là et gagner plus de mouvement pour que l'adversaire ne parle pas de jouer nous. Et surtout, prendre plaisir dans jouer là. Alors, je dis football là, c'est ça avant tout. Il t'a demandé Mbappé s'il est capable de marquer 50 goals. Je dis, alors, c'est quoi le 50? Eh bien, il faut que nous disions Mbappé lui-même. Monsieur Guitapoil, justement, marqué deuxième goal pour équipe Real Madrid. Là, faut nous dire, Carlo Ancelotti, lui-même Guitapoil réagit tout après match à football. Là, je dis, avec des espaces, Rodrigo, Vinicius Junior et Mbappé, ils sont très dangereux. Mbappé gagne qualité pour les marquer en pile goal. Nous devons trouver un équilibre dans l'équipe. Là, je dis, nous t'es gagné. Là, n'a pas tout entré directement dans la conférence de presse Carlo Ancelotti après match à football. Monsieur Lyon qui a analysé victoire équipe Lyon. Il a dit qu'il y a un nouveau titre qui est placé à la hauteur des 14 de Miguel Munoz avec le Real Madrid. Monsieur dit c'est un honneur et un privilège de vivre ces soirées. On souffre, on se bat et on gagne aussi. Le mot de Carlo, qui sont pensés du match là, monsieur dit, nous t'es souffri un peu dans la première période là, parce que Atalanta, lui pressait en pile et jouait très bien défensivement. Dans la deuxième mi-temps, match là, t'es ouvert et il t'es ressenti fatigue et nous-mêmes, nous t'es gagné plus espace avec des espaces des joueurs de cour Rodrigo, Vinicius et Mbappé, il est très dangereux. Est-ce que Mbappé est capable de marquer 50 goals? Carlo dit Mbappé a une qualité pour lui marquer un pile goal. Nous devons chercher un équilibre. Et nous avons gagné, je dis, même si première période là, n'est pas vraiment spectaculaire. L'équipe a fait un grand match défensif. Comment vous l'avez-vous trouvé aujourd'hui? Comment tu vois Mbappé? Je dis Mbappé, il était bien travaillé aussi sur le plan défensif. Comme l'équipe, il n'était pas bien en première période. Quand le match s'ouvre, c'est plus simple pour nous. On a très bien joué en deuxième période. Qui ça a été dit avec Gasperini, Calodi, moi, te dit que c'était comme une visite à la caille d'un dentiste. Il est très fort dans le jeu. Il fait un grand match. Est-ce que nous sommes capables de comparer attaque ça avec BBC? Carlo dit, nous avons parlé hier, nous tentons de comparer cette équipe à celle de 2014, mais c'est très compliqué. Avec Bill Benzema, Cristiano Ronaldo, c'était vraiment fantastique. Qualité n'a pas changé avec l'équipe ça. Comment à la Bahia
Eh bien, quand on dit à la balle, il a progressé très bien. Il travaille sur le plan individuel. Nous besoin d'y aller calmement parce que c'est une blessure qui est sérieuse. Nous pensons qu'il n'est pas capable de reprendre course dans le prochain jour. Premier match important sans Toni Kroos qui sortait plus remis. En tout cas, Tchouaméni, Valverde et Bellingham font un bon match. Ils ont un pile de duel et nous avons pensé jouer plus vertical. Et je dis. Et ça n'a pas vraiment bien passé dans la première période là. Je me dis, Carlo, qui est le plus difficile dans un nouveau projet, dans un projet ça, je dis, c'est trouver équilibre avec qualité que nous gagnons en attaque. Nous espérons vivre une saison fantastique. Je pense que nous pourrons trouver équilibre. Et je dis, est-ce que Kamavinga t'as joué, t'as titulaire, je dis, moi t'ai gagné un doute, et finalement, il est blessé. Malheureusement, j'espère que l'Ipal est capable de récupérer très vite, t'as gagné plusieurs options. Nous allons parler de Luka Modric. Nous connaissons qu'il a l'entrée à la 75e minute de jeu. Monsieur lui-même qui participait dans un nouveau succès Real Madrid dans la Supercoupe d'Europe. Real Madrid qui bat 2-0. Et bien, Croatlan qui était présenté trophée. Et bien, faut qu'on dit nouveau capitaine équipe Real Madrid là, depuis le départ de Nacho Fernandez, profiter pour venir jouer qui plus titré dans l'histoire club blanc. Pour rappel, Luka Modric qui était atterri à Madrid en 2012. Numéro 10 là, soulevé. 27e trophée avec Real Madrid, c'est plus que tout l'autre joyau. Nous allons regarder dans l'autre et statistique dans le match de football. Et bien, Carlo Ancelotti, et bien, monsieur lui-même qui désormais vini entraîneur qui remporte plus Super Coupe d'Europe devant Pep Guardiola avec 5 Super Coupes. Et bien, qui club qui remporte plus Super Coupe d'Europe? C'est Real Madrid 6, Milan c'est 5, FC Barcelone 5, Liverpool 4, Atlético de Madrid 3 et puis Ajax 3. Et Kylian Mbappé, monsieur Vini, deuxième joueur dans l'histoire, qui marquait et remporté un trophée pendant début de la compétition officielle avec Real Madrid après Marco Asensio contre le FC Séville le 9 août 2016. Carvajal et Luka Modric remporté Super Coupe d'Europe pour une cinquième fois, un record que ont partagé avec Toni Kroos. Federico Valverde, Livini, quatrième buteur uruguayen dans la Super Coupe d'Europe, après Gustavo Poyet, Fernando Morena et Luis Suarez. Luka Modric, 38 ans et 340 jours, vini deuxième joueur qui est le plus âgé qui joue en Super Coupe d'Europe, derrière Amedeo Carboni, avec Valence contre Porto le 27 août 2004. Il était fait ça à l'âge de 39 ans. Et 143 jours. Kylian Mbappé vini premier joueur jeune dilan qui marqué dans début officiel avec Real Madrid. Mbappé vini 7e buteur français dans Super Coupe d'Europe dans finale avec et Green Gold ça qu'il marqué hein. Et bien monsieur lui-même il rejoint un cercle bien fermé tant coup Jean-Pierre Papin en 1994, Djibril Cissé en 2005, Franck Ribéry en 2013, Kevin Gamero en 2015, Karim Benzema en 2018 et en 2022 et Olivier Giroud en 2019. Vinicius Junior li impliqué dans 34 goals pour 37 derniers matchs li joué dans la Coupe d'Europe avec Real Madrid. 17 goals, 17 passes décisives. Nous parler avec la déclaration de Jude Bellingham. Monsieur dit, moi, pas qu'aucun doute, moi pas et focus aussi sur poste que moi joue en côté que je sous terrain moi joue un peu à gauche et moi senti me déplacer dans zone là football là li changer et bagaille changer en fonction de ça qui passé li plus facile pour marquer lorsque ou jouer plus près surface là moi droit habitué et un poste au milieu de terrain c'est question ça été posé monsieur je dis peu importe côté que m'a joueur moi senti à l'aise dans tout rôle et tout poste tout simplement moi voulais aider équipe moi. Faut que nous dit premier match pour saison de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite avec Al Nassr, j'ai lui-même qui déjà buteur, il met des stats incroyables pour Cristiano Ronaldo à 39 ans et bien Ronaldo ça fait monsieur 23e saison consécutive lui côté que il toujours marqué pour Pipiti yon goal. Voilà, Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, c'est toujours record, monsieur ça lui-même, li abat. Pas oublier si vous à peine rejoint nous, meilleure façon capable et supporter le travail là, c'est abonner, activer cloche notification.